Laisse quand même la place libre, Boniface. Es-tu bien sûr qu'elle soit partie? Tout ce qu'il y a de plus parti. Ne va-t-il pas revenir? Oh, mais soyez tranquille. Une voiture l'emmène au galop de ses deux chevaux en direction du port. N'est-elle pas restée simplement au coin de la ville à m'attendre? Pour cela, soyez tranquille. Son nouveau maître l'emmène aux Indes. Le climat y est fort malsain et votre femme a toutes les chances du monde d'y mourir de fièvre tremblante. Écoutons, attendez. Oh, par Dieu, c'est de la croix. Ah, mon ami, sauvez-moi. Dis-leur que je suis parti. Moi, je m'enferme chez moi. Je n'en veux plus, Qui est-ce qui m'affiche un favori au parier? Mais regardez-moi cette ampleur. Marchez! Rentrez chez vous! Reprenez cette vermine! Je ne vais plus voir! Je ne vais plus entendre cette affreuse chose! Comment vous voulez pas faire de mort? Mais va donc, ce n'est pas possible! Damnez, Jean! Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Nous ne rentrons pas dans la chambre! Enlevez-le! C'était un jet public! Sachez que je suis une femme honnête et considérée dans toute la ville. Il a mis le verrou. Boniface. Hello. Viens m'ouvrir, mon petit homme. Me tourne d'où tu viens. Moi, je ne te connais plus. Allons, voyons. Dépêche-toi. Je suis lasse. J'ai besoin de dormir. Je veux me coucher. Va dormir chez ta mère. Oh, l'imposteur! Tu vas me payer! Au suivant, ces messieurs. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est incroyable! C'est insensé! Qui l'aurait pu lui penser?